Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. On se retrouve pour une petite vidéo à travers laquelle on va parler d'un livre de l'imam al-Dhahabi qui s'appelle donc Les Grands Péchés. Alors, ce livre-là existe dans plusieurs versions. Donc, il y a plusieurs manuscrits qui ont été découverts de ce livre. Et l'intérêt donc de cette édition, c'est qu'ils se sont basés justement sur la version la plus authentique, donc des différents manuscrits retrouvés au sujet donc du livre de l'imam al-Dhahabi sur les grands péchés. Alors ce livre est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que déjà il va nous détailler les grands péchés les uns après les autres, en nous ramenant donc beaucoup d'arguments pour nous montrer en quoi ils sont des péchés, quelles sont leurs conséquences donc dans ce bas monde, leurs conséquences dans l'au-delà, et donc illustrer à chaque fois avec bon, bien sûr des versets coraniques, des paroles du prophète, alayhi salam, mais également donc des récits de vertueux de notre communauté. Et l'intérêt également donc de cette édition, c'est que en plus donc du livre d'origine, on a donc le commentaire du Cheikh Al-Uthaymeen sur chacun donc de ces grands péchés, afin donc de bien comprendre en quoi est-ce qu'ils sont graves, et ce qui va permettre donc au lecteur d'être encore plus déterminé à s'écarter donc des mauvais péchés, des grands péchés pardon, à s'en écarter et à chercher justement à faire donc des bonnes actions de façon à avoir une vie heureuse et épanouie, et surtout à retrouver donc son Seigneur satisfait de lui. Donc c'est un livre très enrichissant qui va nous permettre de découvrir donc les limites que Dieu nous a fixées, à savoir donc justement tous ces péchés qui nous écartent un peu plus de lui, comme par exemple le polythéisme, comme la désobéissance envers les parents, comme le vol, et ainsi de suite. Donc je vous laisse découvrir ce livre et en profiter donc justement pour vous informer un peu plus sur votre religion.